Sport de Troyes avec Elf, partenaire officiel technique, présente. Le Paris-Moscou-Pékin. Elf, la passion a toujours raison. Paris, Bruxelles, Varsovie, Moscou, Pékin, que de noms en lettres capitales, 16 086 km pour ce premier rallye raid auquel personne ne croyait. Relier Paris à Pékin, un projet insensé. René Metz y a donné un sens, une vie. De conquérir Pékin. Mais le chemin de la Chine était semé d'embûches pour nos amis japonais. De George Houda à Mademoiselle Okamoto, ce n'est qu'une succession de douleurs et de pleurs. Et pourtant, cela avait commencé par des rires, ceux qui saluèrent la maladresse de Matsumoto au prologue de Varsovie. Trop lourdement chargé, sans pneus appropriés, la moto de Matsumoto est incontrôlable. Comme un cheval fou sur un lac glacé. Matsu a chaud, très chaud, au corps et à la tête. Ses lunettes embuées n'ont fait qu'aggraver le problème. Des maladresses qui font sourire. Mais déjà les paris sont ouverts, jusqu'où tiendra Matsumoto? George Houda, son compatriote, n'est guère plus brillant. 19 km dont 4 de sable qu'il a pratiquement fait à pied, tout comme Ogawa. Houda ou le parcours du combattant sur le camp militaire de Souyelovec, la première étape de son chemin de croix, car il va s'accrocher George Houda, contrairement à Kemei Matsumoto, qui dans l'étape de la rivière perdue, craque. Les 596 km Nebildak-Varsava sont de trop pour lui comme pour Ogawa. Quant à George Houda, il tombe, mais inlassablement repart. C'est vrai que pour eux, c'est très dur. Ils découvrent une expérience que les Français ont l'habitude de faire par les Paris-Dakar. Mais ils nous étonnent parce que ce sont des gens qui sont très courageux, très durs au mal, hein, et ils ont une volonté très ferme d'arriver au bout. Houda est soigné, palpé, observé, mais il fait de la peine.
Chaque jour, il endure 1000 mots, 100 chutes, 10 coups. Son corps change de couleur. Son visage se décompose. Okay. Ben en fait il arrête pas de chuter. Et donc il a des problèmes de genoux chaque fois qu'il tombe. Ça va faire mal, hein? Le genou qui barre et il tombe. Et il s'est fait une monstrueuse entorse de la cheville. Bah là c'est plus que monstrueux. Mais c'est pas plus prudent qu'il arrête? Si, mais je vais lui dire d'arrêter. It's big, yeah. No problem. No problem for you? Yeah. You think you can go until Pékin like that? Yeah. Pékin? Pékin? I want to go to Pékin. Oui, je veux aller à Pékin. Sa volonté est claire, mais son corps ne répond plus. Usé par 11 jours de pistes cauchemardesques, il doit abandonner, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, il est déjà chez lui dans l'île de Kyoto. Il y vend des motos et il raconte des histoires extraordinaires que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Sa compatriote, mademoiselle Okamoto, sait que le temps presse, qu'elle est juste sur cette ligne d'arrivée. Bientôt, les autres vont déjà repartir. Quelle heure? Pourquoi? Elle est pendant la demi-heure que je suis au... On doit arriver une demi-heure avant le départ du premier coup. Après l'espoir, le doute s'installe. Elle était là d'ailleurs tout à l'heure, elle cherchait partout. Vous pouvez pas. Non, je suis désolé, mais j'en fais beaucoup ce matin. Vous pouvez laisser les autres en cours aussi. C'est là, je pars. Puis le désespoir, mise hors course. C'est fini pour l'ex-star du cinéma japonais. Elle rejoindra Pékin sans numéro, dégradée en quelque sorte. Vivant en marge du rallye, dans ce qu'il est convenu d'appeler le camp des exclus, des bannis. Mais elle au moins verra Pékin. Malheureux japonais qui rêvait même d'une victoire à Pékin jusqu'à ce qu'un foutu alternateur décide de rendre l'âme. Victime d'un corrosif mélange sable-sel et d'une pincée de malchance. Shinozuka perd ainsi le rallye. Mais Fontenay le sauve de l'abandon en le tractant de longs kilomètres. Au fait, est-ce bien autorisé? Le règlement est bien précis. Sur la piste, les concurrents ont le droit de céder entre eux, mutuellement, hein, par tirage, poussage, tout ce qu'on veut. Mais il y a une précision qui est apportée, c'est-à-dire qu'ils doivent franchir la zone d'arrivée par leurs propres moyens. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas le droit d'être tirés, ni poussés par un autre concurrent. Ils doivent franchir la ligne par leur moteur, eux-mêmes. Kenjiro Shinozuka, l'espoir de tout un peuple et de la firme Mitsubishi. Non, on ne peut pas l'attaquer. Je crois que ce sont cette sorte de courses qu'on ne peut pas gagner. On le perd. Aujourd'hui, nous avons perdu 1h18 à cause de quelque chose. Si demain, Pierre Latique perd quelque chose, perd une heure et demie, à cause de quelque chose, il perd la course. Il est impossible d'attaquer parce que c'est beaucoup trop risqué. On ne peut pas prendre des risques, on ne peut pas fermer les yeux et foncer. C'est très, très risqué. Donc, on perd cette course. Les Japonais ne se contentent pas d'être malheureux. En plus, ils portent la poisse. Observez ce qui suit. Notre consoeur Yuriko Mikata est en train de décrire la puissance de la Mitsubishi de sa vie. Et au même moment, Bruno casse son train de direction.
Le même jour, après la roue droite, il cassera la gauche. Il faut qu'on attende la Fontenay. Il perd dans la bataille 1h43 minutes. On les a toutes, hein, c'est pas vrai. Hein. Il se souviendra longtemps du maudit Axar, c'était le nom du départ de la spéciale. Un petit sou pour Bruno, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Bruno n'a plus qu'à attendre le secours de Fontenay, le sauveteur, encore lui, toujours lui. Chargé des travaux de développement chez Mitsubishi Sonoto et de l'assistance rapide sur les épreuves de rallye. Là encore, la course s'est perdue pour Bruno Sabi, qui, terriblement énervé, aura même une petite touchette, un rien agressive, à l'égard de Rivière, suspecté de ne pas s'être rongé assez vite. Bremer a raison, cette course ne se gagne pas, elle se perd. Tous les espoirs de Salonen, volatilisés, partis en fumée, une odeur de soufre, qui remet en mémoire le tragique accident de Jackie X et Christian Tarin, l'an dernier au Pharaon. Citroën prend peur. C'est un feu, je ne sais pas pourquoi. C'était une longue ligne droite. Et puis il y a eu le feu tout de suite. On a juste eu le temps de sortir. Il n'y a pas eu d'accident ? Non. Une route normale. Drupi Salonen est alors contraint de changer de métier. Le voici devenu passeur. Le chemin restait donc libre pour Pierre Larty, victorieux de cette course par élimination. Mais n'allez pas en déduire trop vite que Pierre Larty a eu de la chance. Il a crevé, comme les autres, une bonne dizaine de fois, et a même réussi des temps scratch pour le remontage des roues. Et puis, lui aussi a trouvé sous ses pneus piège, sable, poussière ou tranchée surprise. La pochette surprise du Paris-Pékin. Il a même essayé de jouer à saute pipeline. Mal lui en prit, il resta à cheval sur le pipeline. Pierre Lartigue n'a donc pas eu de chance. Il a construit sa victoire, mètre par mètre, sur les 16 millions de mètres du parcours. Les mauvaises langues disent qu'il roule peinard, tranquille, qu'il n'est pas du genre à attaquer à tout va. Je dirais plutôt qu'il ne prend pas de risque, qu'il pilote à sa main. Si Chino veut jouer avec ses nerfs, lui joue avec sa tête. Et puis, son côté pied noir, il est né à Mostaganem, lui donne une grande confiance dans sa connaissance de l'Afrique. N'a-t-il pas déjà gagné la Tunisie, l'Atlas marocain et le rallye d'Algérie? Alors ici, en Asie, quand il rencontre des chameaux, il se sent comme chez lui, dit. Il sent les coups fourrés. Tiens, par exemple, celui-ci, quand Weber et Sabi essaient de le piéger. Il prend le chemin de traverse. Ça secoue, c'est plein de sable, mais sans s'affoler, il passe et suit ses deux derniers adversaires. Depuis 3-4 jours, bon, je gère ma course. Je laisse passer un petit peu les Mitsubishi qui me font l'ouvrir les ouvreurs. Et puis j'ai quand même mes trois chasse-cars derrière, donc je suis tranquille de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez un peu douté en voyant la façon dont les Mitsubishi conduisaient leur course, à accélérer le rythme pour essayer de vous emmener un peu dans cette course folle, éventuellement vous pousser à la faute? Ou est-ce que vous avez dit je reste serein, je laisse passer 5-7 minutes par jour et de toute façon, avec mon heure et quart d'avance, je vais conserver la première place? Oui, bon, bien sûr, à un moment ils ont essayé de me faire que j'aille à la faute.
mais ça fait quand même 10 ans que je fais ces courses. J'ai 11 victoires après Vatanen, donc je sais gérer ma course. Peut-être on pense que j'ai une petite tête, mais je suis conscient de ce qui peut m'apporter, et puis apporter à Citroën cette victoire. Quand il était petit, Pierrot aimait jouer aux Indiens. Les chemins poussiéreux lui ont rappelé quelque chose et lui ont parfois rendu service. Si c'est pas moi qui gagne ce rallye, j'espère que ce sera lui parce qu'il le mérite. C'est un garçon qui n'a jamais eu beaucoup de réussite dans le Paris-Dakar et Dieu sait si on connaît Pierre Lartigue au Paris-Dakar, c'est vraiment le spécialiste. C'est le garçon qui a fait souvent des exploits mais qui n'est jamais arrivé à concrétiser. Alors s'il gagne ce Paris-Pékin, je pense qu'il ne l'aura pas volé quand même. Vous êtes fort, Bruno. Bel hommage pour un homme discret, vainqueur d'une très grande aventure sportive. Il y a un aspect aventure indéniable, mais néanmoins, quand on voit les voitures, je ne parle pas des motos, c'est autre chose, mais quand je vois les voitures rouler à cette cadence sur la piste, c'est vraiment une compétition et j'avoue que je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir assisté à une course aussi difficile, éprouvant autant les hommes, les machines, les mécaniciens le soir que celle-là. Et il y a une rivalité qui est assez formidable sur le plan de l'intérêt de la course. Oui, il y a un duel et ça prouve bien qu'un duel suffit à faire une course sur le plan sportif exceptionnel. Si vous aviez une image qui vous restait du Pékin jusqu'à aujourd'hui, quelle serait-elle ? C'est difficile de parler d'image parce qu'il y a tellement d'images. Je crois que l'image que je vais choisir, c'est peut-être la dernière. C'est ce qu'on voit au fond, un petit peu dans la brume. On est dans le désert avec... la neige éternelle à quelques kilomètres devant nous, et ça, on n'avait jamais vu encore. Ça vous laissera des grands souvenirs, cette course ? Des courses comme ça, au début, on les hait parce que c'est trop long, parce que c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, mais en fait, ce sont celles qui laissent les plus beaux souvenirs. Point de vue critique, je vois surtout la qualité du roadbook. Il est évident que c'est difficile de faire un roadbook en traversant la Russie, traversant la Chine, etc., mètre par mètre, trou par trou, c'est clair. Mais de l'autre côté, on vient ici pour se battre avec des voitures qui sont très performantes, des pilotes qui ont l'habitude de courir les rallyes du championnat du monde, donc automatiquement, ils vont vite. C'est la même chose, les copilotes professionnels du championnat du monde, quand ils annoncent un trou, il y a un trou. Exact. On ne peut pas jouer, on ne peut pas interpréter des distances, on ne peut pas interpréter quelque chose, ils ne sont pas là pour interpréter, ils sont là pour lire un roadbook. Mais au fait, si on parlait des navigateurs, Michel Perrin connaît depuis toujours Pierre Lartigue. Leur association est peut-être la clé de leur réussite. Ils ne se sont pas perdus, eux. Ce n'est pas le cas des autres. Et cela nouveau, les plus beaux coups de gueule du rallye. C'est un merdier, ce roadbook. Il y a 50 pistes, alors on est arrivé un peu trop à droite. Après, à gauche, on a pris une cuvette, comme ça, même pas vite. Et à l'arcon, bam, crémaillère à pète. Aujourd'hui, j'ai pris une cadence inférieure en m'arrêtant à chaque... carrefour qui n'était pas clair, mais même en s'arrêtant, en cherchant, on est obligé de se tromper. Alors je comprends pas, c'est regrettable. Je voudrais pas que ça ternisse quand même la bonne ambiance qu'il y a sur cette épreuve, mais pour nous, bien, c'est décourageant. On sait pas quoi faire, on sait pas quoi penser, on essaie de faire au mieux, mais ça suffit pas. Dans la série Coup de gueule suite, le désarroi d'un motard nommé Bermude. C'est ruinant, c'est un monotone, tu n'as jamais vu ça. C'est chier à la fin. C'est toujours pareil, monotone, tout le temps, pareil. Chemin de sable. Ça fait 3 jours que c'est du chemin de sable, et on bouffe du chemin de sable. C'est pas drôle. On va jouer le joker. Comme ça, on va se retaper pendant 2 jours. Puis après, on va repartir d'attaque. Sinon, c'est pas la peine, on va y rester là. Voilà. Elle est trop longue. Encore 450 km de sable là. Rien que les 4 km qu'on a fait là, c'est 450 km comme ça. Alors donc, nous cachons. Il y a des jours où ça va tout de même mieux. Tenez, à l'arrivée de ces spéciales à Yinchuan, il ne parle plus du tout d'abandonner.
je suis ravi, voilà, et j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. Repêché, il est même classé 3e au General Moto. Il en découvre à nouveau les vertus de la communication. Right. After you move the key, yes. Just to hear the noise. Very important. And after you push here. Pas toujours facile quand on n'a pas le même langage. Mais la danse de cette jeune fille mongole traduit bien l'immense bonheur que Philippe lui a donné en lui permettant de chevaucher son cheval de feu. Pendant un mois, nous avons redécouvert le sens de l'hospitalité, le sens du mot accueil, qu'il soit solennel ou chaleureux. René Metz, fait citoyen d'honneur de Boukhara par le président de l'Ouzbékistan, c'est solennel, mais le costume qu'on lui remet, c'est chaud, chaud, comme l'accueil, au fond des tentes nomades, les yourtes du Kazakhstan. On y partage le repas que l'on consomme avec les doigts. On y porte des toasts à l'amitié entre les peuples. L'étranger est toujours le bienvenu dans la yourte. Il est un signe de chance pour la famille qui l'accueille. On y boit aussi du lait de chamel. Partout en CEI ou dans les ex-républiques soviétiques, l'accueil a été simple, chaleureux. En Chine, si les contacts avec les populations ont été un peu plus difficiles, en revanche, l'enthousiasme des populations a été extraordinaire. C'est vrai qu'ils sont 1 milliard 200 millions. Et pourtant, au bord des routes, on avait l'impression qu'il n'en manquait pas un. Toujours plus nombreux, si nombreux, qu'ils constituaient parfois un nuage de points. C'est la grande différence avec la CEI. Le rallye en Chine a suscité l'enthousiasme populaire jusqu'au plus profond de chaque Chinois. Une autre façon d'accueillir. Les concurrents, d'ailleurs, n'ont pas eu à s'en plaindre. Ils ont trouvé ici et là une main-d'œuvre locale à bon marché. Pas avare d'efforts. Et puis, ça a un côté sympa de voir tout le monde tirer dans le même sens. Une philosophie qui vous offre la plus belle histoire du Paris-Pékin. Il était une fois entre Saratov et Uralsk, une Toyota qui s'arrête en pleine steppe. Débute alors un véritable conte. Laser bar crevé. Trouver le tuyau qui le rebranchait à l'avant. Bah c'est le camion devant moi qui a perdu un bout de ferraille. J'ai pas pu l'éviter, alors j'ai pas voulu aller dans le trou. Je l'ai pris en dessous, croyant que ça allait pas toucher la voiture. Et il m'a accroché le réservoir, il m'a percé le réservoir complètement. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vidé en 30 secondes. On va essayer de remplir. On va prendre le bidon d'eau. On va remplir le bidon avec du gasoil, on va chanter la sortie, et puis on va alimenter tous les 5 km. Parce qu'on a un réservoir derrière, on a une manette de fermeture. Donc on va ouvrir, on va remplir 5 litres, on va fermer, on va chanter tout le bordel et on va faire 20 km, en rechargeant 20 km, mais on va rentrer. On va essayer. Hein. On est combien là à peu près? Il reste 80 bornes à faire. Jean-Pierre Ducroux et Michel Chartrez, même s'ils possèdent un garage en commun, n'ont pas forcément le sens inné de la mécanique. Dans le civil, ils sont banquiers et ingénieurs. C'est l'impasse la plus totale quand surgit de nulle part un cavalier kazakh, suivi à quelques galops de son fiston. Le réservoir est bien fermé, là, il est bien fermé, là. Échange de cadeaux traditionnels, de merci, de souris. Merci, merci, merci.
Et puis, étonnement, lorsque Dušan Gali, c'est le nom de ce cavalier kazakh, se penche sous le moteur et examine le réservoir. C'est bon, on va avoir un raccord, Jean-Pierre. Les dieux sont avec nous, on va avoir un raccord. Son diagnostic est rapide. Dušan Gali s'installe et prend les choses en main. Jean-Pierre et Michel deviennent alors de parfaits assistants. Plus gros. Alors, bosse, ça veut dire plus gros. 19, Jean-Pierre. 19 ? Et on se comprend, il me dit bosse, ben, j'y donne plus gros. Fais ce qu'on peut. Ok. Bon, alors. Il a trouvé le truc ? Ouais, ça y est. Dušan Gali, la providence des steppes. Ou comment un cavalier kazakh permet à deux fondus de chevaux vapeur de se sortir d'un mauvais pas. Retombées inattendues d'un ancien régime soviétique qui initiait tous ses conscrits à la mécanique. Le communisme avait du bon, Jean-Pierre et Michel ne nous diront pas le contraire. Solidarité entre anciens frères maintenant. L'équipe russe Yuri Borovikov, Viktor Nakonechny, doit son salut à un militaire tadjik. Une douille de balle les a réunis l'espace d'une panne. L'arrivée de gasoil était devenue impossible sur leur Lada Niva. Il a fallu tout l'équipement d'une jeep de leur ancienne armée rouge pour leur sauver la mise. Chalumeau, balle et savoir-faire. J'avais déjà entendu parler de chewing gum pour colmater un trou dans un réservoir. J'ai découvert en CEI les vertus d'une balle pour faciliter l'admission. Une petite soudure, le tour est joué et nos deux Russes filent vers de nouvelles aventures. Coup de gueule, coup de main, coup de folie. Gérard Sarrazin a du métier, l'Oued a grossi très rapidement mais il en a vu d'autres. Il n'a pas hésité et reste planté. Ils vont s'y mettre à plusieurs pour le sortir de là. Mais c'est le Perlini d'Oussa. Oui, Oussa, là, au fond du biais, qui le sort de là. Gérard est enfin soulagé. Et soudain, il pète un fusible. Blanchissage gratos dans l'eau de l'Oued. Quelle merde! Faut être con pour cette nuit-là. J'ouvrais la route, évidemment, j'ai pris le truc qu'il fallait pas prendre. C'est bien la première fois qu'un truc comme ça m'arrive. Alain, tu les prends? Évidemment, j'aurais laissé passer quelqu'un, j'aurais vu, mais j'ai voulu passer le premier comme un enfoiré. Et j'ai fait l'erreur. Je m'en vais. Je vais sortir là. Merci, je vous vois ce soir. Après la grosse colère, le retour rapide vers le bivouac tant attendu. On y mange à sa faim. Bien, à l'abri, de quoi être ravi. Mais si par hasard, l'envie les prend d'aller en ville chez un concurrent de Georges Brown, ils sont surpris. Déjà, c'est du frais. Légumes verts, petits oignons, haricots verts. Tout ce qui pousse dans le sable des oasis, quoi. Même un futur Georges Groin qui fera marcher son personnel à la baguette. Et puis, on peut aussi rajouter un peu de charbon pour chauffer.
une tranche de gigot, par exemple. Tenez, il n'y a qu'à choisir. Au marché de Chan Chan, on vous la découpe sur place. Du producteur au consommateur. Le tout qui mijote dans une poêle digne de nos arrière-grand-mères avec un fumet délicieux. Sortir du camp nécessite un gros effort, mais la récompense est au bout de l'effort. Regardez ça, comme si c'est appétissant. Voyez comment nos amis Ouïghours mangent avec passion. C'est très bon, vrai, si bon que si on l'avait soufflé aux équipages, voilà ce qui serait advenu au bivouac de Georges Groan. Un bide. Bien sûr, c'est une blague, les affaires de Groan ont très, très bien marché. Quand la nuit tombe, plus tard sur le bivouac, les ombres deviennent chinoises. Théâtre de poussière, de sable et de soleil mourant, le bivouac prend vie. Pour certains, la journée ne fait que commencer. Les retardataires, les perdus du désert, arrivent enfin. Il y a deux nuits, celle des équipes d'usine, hiérarchisées, organisées. La checklist à la main. 25 mécanos d'usine chez Citroën, 3 par voiture plus un chef de voiture. Ils vivent la course à leur façon, de pannes en réparation. Pour eux, la course commence quand celle des pilotes est finie. C'est la personne qui se repose un peu ? Ah ben, on essaye de dormir, enfin ça dépend du travail qu'on a à faire. Si on a un checklist normal à faire, ça se passe très bien. S'il y a des coulures, s'il y a un petit problème, on peut passer la nuit. Hein. Je dis passer la nuit. Le lendemain, vous prenez les camions. Le lendemain, moi personnellement, je prends l'avion, mais les autres, ils prennent les camions, ils roulent la journée, ils travaillent la nuit. C'est très dur. Hein. Et puis, il y a la nuit des autres. Voici l'un des deux équipages tchécoslovaques en pleine réflexion, en plein boulot. Ce changement, naturellement, quand même, ça ressemble beaucoup à l'Afrique ici, déjà. Les pistes sont très, très cassantes. Rouler vite là-bas, c'est... Il faut un cœur comme ça, vraiment, parce que c'est très cassant. Quand les lumières s'éteignent, souvent pour eux, il ne reste qu'une poignée d'heures de nuit. Ce sont les mêmes qui sont victimes de toutes les galères. Tenez, Bermude, encore lui. Que d'eau dans le triangle de Bermude. Bah c'est le moment. Hein. C'était juste le moment. Que d'eau, autour de Cultrera. La roue arrière chasse, le petit Cultrera est tout mouillé. Mais il n'est pas une poule mouillée. Sur ce saut, il aurait pu se tuer. Il s'en tire avec un traumatisme rachidien, une fracture de la clavicule. Une chance. km seul sur sa moto, faut vraiment aimer cela. Et ceux qui s'en sont bien tirés ont marché en duo. On tient compagnie, on réfléchit ensemble, c'est plus sympa. Facile quand on est périfice comme les pêcheurs, Daniel et Eric. Plus difficile quand on fait partie de la même équipe, mais qu'on est un peu rivaux. Stéphane Peterancel et Thierry Magnaldi l'ont expérimenté. Au-dessus du lot, les deux coéquipiers ont dû courir ensemble et l'un contre l'autre. Stéphane avait son acquis victorieux du Le Cap. Thierry, son envie d'une première. C'est l'expérience qui a payé. Mais la course, elle, a montré certaines lacunes. 16 pilotes seulement au départ, 2 à l'arrivée, si les conditions avaient été celles de d'habitude. Alors, trop dur pour les pilotes, trop dur pour les sponsors.
On a quelques difficultés puisque bon, au niveau des Yamaha Motor France, ils ne sont pas encore sûrs de partir. Donc c'est à nous les pilotes un peu de faire l'effort et de chercher des sponsors pour pouvoir essayer un petit peu d'amener d'argent au team. Sinon, essayer de trouver une écurie qui veuille bien nous embaucher. Voilà quoi. C'est pas un peu inquiétant pour l'avenir de la moto dans les rallyes, ça? C'est un peu inquiétant. Bon, je pense qu'on traverse une crise. Il faudrait qu'elle dure pas très longtemps. Parce que bon, sinon ça devient inquiétant pour nous pilotes, parce que bon, on n'avait pas prévu de se reconvertir aussitôt. Terrifiant. 16 000 km le cul sur une selle pour rien, c'est injuste. Voilà pour l'histoire d'une course. Mais le Pékin, c'est aussi un formidable kaléidoscope d'images. Une série d'impressions, de surimpressions, d'expressions. Un formidable reflet de pays étonnants où plus de 60 ethnies différentes vivent côte à côte. Un tourbillon qui emporte l'histoire, balaye les certitudes, parle d'avenir. Une mosaïque humaine, culturelle, religieuse, pleine d'histoire, mais qui craquelle sous le vent des réformes. Dernier matin du monde, celui du premier, Paris-Pékin, les petits hommes jaunes s'étirent. Il faut ranger le matériel, plier les tentes, une dernière fois. Pendant ce temps, le roi Pierrot, lui, déjeune, tranquillement. Oh, je suis déjà, il y a longtemps que je suis réveillé. Fréquin m'a demandé d'aller me coucher très tôt hier soir. Le soir, peut-être ? Non, plus rien, non. J'ai bien dormi. Après un petit rouge, ça va bien. Un petit rouge, un petit jaune, au petit jour, le Pierrot des Citroën a des couleurs. Déjà, il semble nostalgique, Pierrot. Et son dernier départ, il le fait en marche arrière. Lapsus révélateur d'une envie de ne pas quitter trop vite cette épreuve dont à jamais il sera le premier vainqueur. Je regrette qu'une chose, c'est que Thierry Sabine ne soit pas là, parce que ça a été... Quand on voit les milliers de gens qu'il y a eu aujourd'hui, ça me rappelle des grands moments du Dakar, l'arrivée à Conakry il y a quelques années, ou des moments très forts comme ça. Je crois que ça aurait été... il était quand même à l'origine de tout ça, et depuis plus de 14 ans maintenant, on entend parler du Paris-Pékin. Et je dois dire qu'à ce moment, je tire un grand coup de chapeau à René, parce qu'il a réussi à nous emmener ici. C'est pas toujours facile de faire des premières, et il a mis beaucoup de temps pour y arriver, et je voulais le remercier publiquement. Les Pékinois non plus ne se sont pas trompés. Ils se sont roués sur leur bicyclette vers la plus longue avenue de Pékin, l'avenue de la paix éternelle. 40 km de long, 40 km à raison de 10 personnes par mètre, soit 800 000 personnes. La plus belle aide d'honneur, la plus belle récompense qu'on pouvait leur donner. La place Tiananmen est de l'autre côté de la haie. Manian Li tente de l'apercevoir. Ils y sont. Un petit homme jaune devient le héros du jour. Lui, le Pierrot de Mostaganem, ne risque pas de tomber dans le culte de la personnalité. Mais en gagnant Pékin, Pierrot a décroché la lune et Citroën la timbale. Au moment où son AX s'est commercialisé en Chine, ce succès ne pouvait pas mieux tomber. Révolutionnaire. Comme si depuis 31 et sa croisière jaune, Citroën avait senti le coup. Pierrot est un bel ambassadeur. Son naturel, sa joie de vivre, son métier méritaient bien ce succès. Arrosé comme il se doit, un petit jaune et 5 volumes d'eau. Bravo, Pierrot. Voilà, c'est fini. Et parfois, je me demande encore si je n'ai pas rêvé. Si le Paris-Pékin n'est pas un mythe, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Thank you.
Tour de Troyes avec Elf, partenaire officiel technique, vous ont présenté... Le Paris-Moscou-Pékin. La passion a toujours raison.